hot, light the prodigal son. Entre 2012 et 2013, le nombre de tués sur des accidents impliquant des camions est passé de 106 à 83. C'est une belle diminution, mais qui n'empêche pas les automobilistes de craindre les camions en raison de leur masse. Pourtant, les camionneurs sont parmi les usagers les plus souvent contrôlés, et voici un exemple type des actions qui les visent. Ici, on contrôle principalement la masse en charge des véhicules, donc sur la bascule ici derrière nous. Ensuite, le contrôle proprement dit, on contrôle tout ce qui est documents de véhicule, documents du chargement, et après on contrôle les temps de conduite et les documents du chauffeur, point de vue permis de conduire, etc. Les validités. Une fois par mois, donc il y a des contrôles de cellules provinciales, qu'on appelle ça, et alors on contrôle en partenariat avec la douane, avec le ministère de mobilité et avec également les lois sociales. Donc voilà, on fait des gros contrôles et bon, ça se passe peut-être plus sur l'autoroute que sur les nationales. Quelles sont les infractions les plus courantes dans ce type de contrôle ? Oh, les infractions les plus courantes sont notamment les surcharges, puisque les véhicules sont pesés, et alors des infractions au temps de conduite, temps de repos pour les chauffeurs. En général, c'est le plus courant sur ce type de contrôle. Maintenant, une fois qu'on élargit les contrôles et qu'on est plus au niveau circulation, les infractions les plus régulièrement constatées pour les poids lourds sont les interdictions de dépasser. Donc, sur les voies de bande ou les signaux d'interdiction de dépasser, c'est 39. Donc vous avez 12% en 50 de surcharge, vous avez 616 euros à payer. Si vous payez pas, vous pouvez pas partir. Si vous voulez payer pour ces 27 mètres. La police est quand même assez sévère au niveau des camionneurs, des contrôles des transports routiers, donc ne fût-ce qu'au niveau des amendes qui sont quand même assez élevées, et le nombre de contrôles qu'on effectue qui est quand même assez régulier. Les accidents impliquant des camions sont souvent graves et spectaculaires et par là même très médiatisés. De quoi faire peur aux autres usagers. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'un camion est impliqué dans un accident que son chauffeur est nécessairement en tort, et les conducteurs de camions eux-mêmes ont souvent des raisons de se plaindre des autres conducteurs. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un véhicule doit toujours être rangé à droite par rapport au sens de sa marche, sauf si la chaussée est à sens unique. A gagné cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, la tare d'un véhicule et son poids en charge, en ordre de marche mais sans marchandises et sans personne à bord, ou bien à vide sans les différents liquides. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Même en utilisant correctement ses clignotants, on ne bénéficie pas de la priorité pour changer de bande ou accéder à une autoroute. En clair, vous ne pouvez pas forcer le passage et gêner par là même les conducteurs qui circulent déjà sur la bande que vous souhaitez rejoindre. A l'inverse, ces derniers ne doivent pas non plus vous céder le passage parce que vous avez manifesté votre intention de faire votre mouvement latéral. Évidemment, les conducteurs qui circulent sur une bande peuvent, par courtoisie et dans la mesure du possible, se décaler pour laisser d'autres conducteurs s'insérer. Si vous bénéficiez de cette courtoisie, un petit merci est toujours apprécié. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !